Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Bien, mesdames, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec l'invité principal de l'émission. Aujourd'hui, le frère Cass va répondre aux différentes questions que vous avez posées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Église. L'homme de Dieu, Shalom. Shalom. Première question, est-ce que le frère Branham a prêché sur la seconde venue du Christ? Le message de frère Branham était centré sur la seconde venue de Christ. Donc, son message nous a parlé de la seconde venue de Christ, c'est-à-dire du retour de Christ. Si vous pouvez parler un peu fort. Le message de William Branham était centré et orienté sur la seconde venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire Yeshua. Chaque fois qu'il a prêché, c'était pour parler du retour du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce qui lui a été dit le 11 juin 1933 à 14h devant plus de 4000 personnes, c'était que de même que Jean-Baptiste, donc Yohanan HaMatbil, était le précurseur de la première venue de Christ, ton message annoncera ou préparera la seconde venue de Christ. Donc le message de William Branham était là pour préparer le retour de Christ. C'est le message. Ce n'est pas William Branham qui allait préparer la seconde venue, mais le message. D'après ce que l'ange lui avait dit ce jour-là. Le 11 juin 1933, à la rivière Ohio, a Dieu fait son vie. Merci. Est-ce qu'on peut retrouver Jésus-Christ dans un homme? Jésus-Christ, il est dans tous les hommes, tous les chrétiens, les vrais chrétiens. Oui. Tous les vrais chrétiens qui ont reçu la parole, qui sont nés de nouveau, eh bien, ce sont les membres du corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en eux par le moyen de sa parole. Chaque chrétien. On ne peut pas être enfant du Seigneur si le Christ ne vit pas en vous. Paul l'a dit aux Colossiens même. Vous devez savoir que la gloire de Dieu pour vous, c'est Christ qui vit en vous. Et Paul a dit, maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, être chrétien, c'est avoir ce Christ-là, cette portion de l'Esprit, la portion de la parole pour aujourd'hui, qui vit en nous. Donc, c'est tout à fait cela. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'hypocrite du ciel, Parodi, et puis le vrai Dioka, qu'est dû le frère Cass par rapport à ces polémiques sur le plan évangile, lorsque l'hypocrite du ciel dit tout haut que Jésus, le frère Branham était et le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe entre les trois? Parce que tous les trois sont perdus. Tous les trois véhiculent les très très faux enseignements. Ils ne peuvent pas se disputer. Baruti est celui qui a ouvert la porte à des fausses doctrines. À Rigini, il n'y en avait pas.
Baruti est celui qui a invité Dioka à monter en chair pour nous faire la guerre contre le ministère des Voix de Franck, ministère que nous défendions à l'époque, pour que l'Assemblée, l'Église n'entre pas dans le chaos. Dioka, immédiatement après notre sortie, le chantre là, l'Ifoko, il ne faut pas dire du ciel, il n'est pas du ciel, il n'est pas venu du ciel. Il n'y a que Christ qui est venu du ciel. C'est un blasphème de dire que l'Ifoko est du ciel. Alors, même l'apôtre Jean, au chapitre 3, il a dit, il y en a qui sont terrestres, c'est nous tous, y compris lui, un seul était céleste, c'est Yeshua, qui est venu du ciel. L'Ifoko, il est né ici, c'est pas en Gaba ou n'importe où, il a grandi ici, il n'est pas venu du ciel. Donc, ils font des choses, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. L'Ifoko a commencé à chanter chez Dioka, quand ils étaient à l'Embassou région, lorsque Dioka venait de commencer son assemblée après avoir volé les trois quarts de l'assemblée de Rugini, les gens auxquels il n'avait même pas prêché. Il les avait trouvés à Rugini. Il a été établi là-bas comme prédicateur autre. Après, quand il a été élevé en gloire, il a voulu devenir le prédicateur principal. On lui a résisté. Il a volé les trois quarts de l'assemblée. Donc, tous les trois sont des gens perdus, sont des démons. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand il m'a parlé de leur dispute, il s'est disputé sur quoi, je ne sais pas. Mais l'Ifoko a menti en disant que Christ a terminé sa course. Le Seigneur, il est avec nous, il travaille encore. Le message n'était même pas encore apporté dans le monde. Le message comme tel, c'est seulement après le ministère de William Branham que le message a pu être porté à travers d'autres nations par le ministère d'Evad Frank. Nous faisons le même travail depuis que nous avons commencé aussi à enseigner. Nous avons été plusieurs fois en France, en Belgique, en Allemagne. Deux fois, j'ai été aux États-Unis. Et puis, dans les pays africains, j'ai aussi été au Kenya, au Rwanda, au Burundi, ainsi de suite. Les invitations continuent à venir. Donc, Christ n'a pas encore achevé sa course. Et Christ, il va répandre l'esprit, la puissance du Saint-Esprit sur toute chair aussi de l'Église épouse. Il n'a pas encore terminé son travail. Maintenant, prêcher que William Branham était la forme visible de Jésus-Christ, ça c'est tout à fait faux. Jésus-Christ avait son corps. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. William Branham a enseigné cela dans les âmes qui sont en prison et dans le seul lieu d'adoration. Que Dieu ait pourvu que lui n'était pas Dieu tout entier. Et nous aussi, nous n'étions pas Elohim tout entier. Que ce soit lui, que ce soit nous, nous ne sommes que des petites parties de ce grand Dieu-là qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach, en qui toute la plénitude avait habité, selon Paul, dans le livre qu'il a adressé aux Colossiens. Car Elohim a voulu habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Il l'a logé, il l'a fait habiter dans le corps, appelé Yeshua HaMashiach. Et dans le seul lieu d'adoration, il a dit, lors du discernement, c'est le Seigneur qui vient auprès de moi, il se tient à côté de moi. Et il me déclare, il me révèle tous ces secrets-là, les noms des personnes, leurs particularités, leurs adresses, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas confondre le serviteur de Dieu et Dieu lui-même. On ne peut pas le faire. William Branham a dit dans l'âge de l'Odyssée, de même que le messager qui a précédé la première venue de Christ, Jean-Baptiste, Yohanan, avait été considéré faussement comme étant le Christ, lui-même a nié, il a dit qu'il ne l'était pas.
Il a dit qu'il ne l'était pas. Dans Jean au chapitre 3 aussi, il a dit qu'il n'était pas l'époux. Mais j'avais été même un peu scandalisé lorsque en Boujimaï, quelqu'un qui suit ses enseignements, ce n'était pas de moi, c'était le gouverneur lui-même. Il m'avait reçu chez lui et il me témoigne avoir reconnu notre frère député. Il dit, quand il a parlé, alors j'ai compris que lui aussi, comme moi, nous sommes sauvés par le sang de Branham. J'ai réagi tout de suite, j'ai dit non. Nous sommes sauvés par le sang du Seigneur Yeshua HaMashiach. Quand il a compris ça, alors il était aussi étonné et la guerre avait aussi pris fin. Donc réellement, il s'est mis debout, il est entré dans sa chambre, il est revenu avec de l'argent, il m'a donné. Donc réellement aujourd'hui, tout comprendre que frère Branham est un prophète Yapamba, est un Zambédi. Frère Branham n'était pas Elohim, il ne le sera pas. Non, il était son serviteur, son prophète. Le prophète, le prophète Élie. Complètement dans l'erreur. Il est un démon. C'est un démon. Parce que c'est un véritable antichrist. Frère Branham lui-même, dans le serpent écrasé, quand il a donné comme titre à cet enseignement, le serpent écrasé. Il voulait parler de ces démons-là qui font de lui Dieu, qui font de lui Jésus-Christ. Ce sont des serpents. Écrasés. Oui, il a dit, ne croyez pas ça. C'est un mensonge horrible, satanique du diable. Je suis votre frère. Très bien. Est-ce que nous devons aller à l'Inabouti? Allons-y peut-être Pasteur Kass comme Pasteur Naé. Pasteur Kass Azo Lobelaé. A vous considérer un balabour en Zambé? Non. Non. Ça veut dire que le Seigneur a voulu peut-être l'orienter. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est ici depuis 8h du matin. Il était à Riguigny, chez Baruti. Il doit avoir rêvé qu'il fallait qu'il vienne ici. On lui a montré que c'est ici qu'il faut venir écouter le message. Mais avec ça, il ne peut pas me considérer comme Dieu. Je suis son frère. Nous ne sommes que des petits absolus, mais le grand absolu, c'est le Seigneur. Si quelqu'un a été orienté vers un autre, c'est peut-être pour l'orientation. Lorsque Pierre avait été orienté pour aller prêcher le message du salut, raconter des choses merveilleuses à Corneille, il ne fallait pas que Corneille le considère comme Dieu. Quand il s'est prosterné, Pierre lui a dit, lève-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un homme comme toi. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé chercher? Et Corneille lui a raconté la vision. Comment on lui avait dit par le Seigneur d'envoyer les gens chez Simon pour qu'on lui fasse venir Petros. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, s'il appelle quelqu'un, il le mettra toujours en contact avec son véritable serviteur, son véritable fils ou sa véritable fille pour que celui-ci le conduise là où il faut. Le Seigneur ne change pas sa méthode. Est-ce que aujourd'hui, pour croire à Frère Branham, première question, comment éviter l'idolâtrie aujourd'hui dans le monde? C'est à travers les enseignements. Nous savons que le véritable Seigneur, il est un, c'est Elohim, s'est manifesté dans un corps humain, dans un corps de chair, une fois, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'est même pas Dieu, il est Elohim. C'est lui l'Elohim véritable, c'est lui la vie éternelle. En dehors de Yeshua, il n'y a que les idoles. Donc c'est comme ça qu'on doit éviter l'idolâtrie. Par exemple, pour ceux qui sont en train de diviniser Frère Branham, ce sont des idolâtres. Il faut les maudire et si vous êtes avec eux, il faut vous en séparer. On ne peut pas aussi baptiser dans le nom de Branham. Branham lui-même n'était pas baptisé en son nom. Branham était aussi un croyant, comme Paul le fut, il a été baptisé. Maintenant, il faut que le baptême se fasse comme au temps de Pierre, comme au temps de Paul, comme dans les Saintes Écritures, dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Merci. Posez la question au frère Kass, entre lui, Yoka et Lupoko, tu parles mieux du frère Branham. Première question, est-ce qu'aujourd'hui Lupoko du ciel se fait appeler le roi des citations? Il a raison ou tort? Roi des citations, je ne sais pas, c'est la première fois. Il n'a pas raison et il ne pouvait pas avoir raison parce qu'il est égaré.
quand quelqu'un prêche les sept tonnerres dont le message n'est pas mentionné dans la parole du Seigneur, c'est un démon. Il ne peut pas avoir la compréhension du message, il ne peut pas avoir la compréhension des Saintes Écritures, parce que les Saintes Écritures ont enseigné le retour, disons, les prédications de Frère Branham ont enseigné le retour à la Bible. Mais tous ces gens-là ne considèrent plus la Bible, et ils pensent que c'est déjà des modèles, c'est le livre des pentecôtistes. Mais oui, nous sommes des vrais pentecôtistes, nous qui sommes revenus aux Saintes Écritures. Quand le frère Branham prêchait, chaque enseignement était tiré des Saintes Écritures. Et chaque enseignement nous recommandait de revenir aux Saintes Écritures. Donc, l'Ifoko, il est complètement dans la mort. Dans la mort. Et il ne peut pas ressusciter aujourd'hui. Parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans l'erreur. Et tous, plus de 35 ans qu'ils sont dans la mort, établis dans la mort. Donc, est-ce que ça peut arriver aussi qu'un homme de Dieu perd des ailes spirituelles? Des ailes spirituelles. Mais les ailes, c'est quoi? C'est la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Les gens qui ne croient pas aux enseignements des Saintes Écritures, ils ont déjà perdu les ailes. Ils ne peuvent pas s'envoler. Il n'y a que deux ailes qu'on accorde aux croyants, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais vous savez qu'il y en a plusieurs qui ne considèrent que le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament est la répétition de l'Ancien Testament. C'est la répétition de la Genèse. Donc, ceux qui ont rejeté les Saintes Écritures, comme je vous dis, dans le message, ils sont des tonneristes, ils sont des franquistes. Ils ont perdu l'orientation, ils ne peuvent plus voler. Si vous écoutez aujourd'hui comment prêche Eva de Franqui, il est perdu, il est devenu comme une poule, c'est tout. Il mange sur la terre, il ne s'envole plus. Eva de Franqui était venu ici, introduit l'enseignement sur le mariage et les divorces. Et puis il a effleuré un peu sur la polygamie. Il a séparé l'église. L'église était séparée ici à cause de l'enseignement d'Eva de Franqui. 20 ans après, il revient, il renie le tout. Il a perdu les ailes. Il n'a plus la dynamique, il n'a plus la vision prophétique, ce n'est plus... Il est devenu un faux apôtre, il était un vrai apôtre. Eval Frank, il était un vrai apôtre. Il est devenu un faux apôtre. Moi, je l'ai suivi jusqu'en Allemagne. On n'a pas fait 5 minutes de discussion. Je l'ai bloqué, et il a tout perdu. Il ne pouvait pas s'envoler. Il ne pouvait que fuir, comme font les poussins. Il a commencé à picorer un peu, et puis il a fui. Il a fui devant les gens. Est-ce en dehors de Jésus qui a été crucifié sur la croix, enterré et puis ressuscité le troisième jour, vous tout nous souffrez ça la nuit? Non. Vous pouvez passer quoi? Ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir. Le Seigneur a dit, à qui voulez-vous me comparer? Je suis le seul sauveur, le seul Elohim. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Il l'a donné. Et j'ai aussi le pouvoir de reprendre ma vie. Il l'a reprise. Il a dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc il n'y a personne qui peut être comparé à Jésus-Christ. Jésus était venu sous la terre dans combien de noms? Jésus était venu sous combien de noms? Combien de noms? Il est venu au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Oui. C'est tout. Mais... aujourd'hui, lorsque Moussous Bazo Benga Jésus-Christ, d'autres religions, Bazo Benga est prophète, est-ce que l'évêque... Des titres. Oui, ça je voulais donner comme réponse correcte aux musulmans lorsqu'ils disaient dans Jean 9 que l'aveugle là, né, qui a recouvré la vue, avait dit qu'il était prophète. Je voulais corriger pour dire non. Cet homme a commencé a donné son témoignage 10 ans. C'est un homme qui fait la volonté de Dieu. Dans un autre débat avec les pharisiens, il a dit, c'est un prophète. Et puis, continuant, il a dit, c'est le Fils de Dieu. Finalement, il a reconnu que c'est Dieu. Il l'a adoré. Donc, il était un homme. Donc, fils de l'homme. Fils de David. Il était aussi fils de David. Ça, ce n'est pas encore accompli. C'est après la seconde venue, après le mariage au ciel, son mariage avec nous,
Après ça, il descendra avec l'épouse pour régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est pendant ce temps-là qu'il sera révélé comme Ben Daoud, fils de David, c'est-à-dire le fils du roi, pour régner comme le roi Shlomo avait régné à la place de son père pendant 40 ans. Et là, ce sera le règne de paix, de justice. Beaucoup de gens aspirent à cela, mais ils ne savent pas que c'est de cela qu'il s'agit. Il y aura le règne de paix et de justice lorsqu'Elohim lui-même sera le seul Elohim sur la terre. Et son nom, comme dit l'Écriture, sera le seul nom. Ça, c'est dans Zécharie, chapitre 14. Très bien. L'obédié, en 7 minutes, ton lingalelo, vraiment résumer les questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui comme polémique. Peuple, écoutez-nous, les lots, la nomine à travers le monde, surtout la photo, la photo, c'est pas la mission, mais on a pris ça sur ma révélation. 7 minutes, au gros, le balabamoni par rapport à comboyer ça. Et puis il y a un dame d'autre ressemble là. Et par rapport, il y a polémique, Oyo, les autres les gars entre Mali, Pioka et Bibarouti, sauf aussi ça débat en Golélo. Ah ouais. Mais les personnes citées ne peuvent pas se chamailler parce qu'elles sont toutes dans la confusion. Elles ont abandonné la parole du Seigneur depuis longtemps, c'est depuis 83. Lorsque nous nous quittions Rigini, ils étaient déjà à côté. Aujourd'hui, ce n'est que la confirmation de tout ce qu'ils sont devenus après avoir rejeté la lumière, le message du temps de la fin. Yeshua HaMashiach, c'est lui que les démons veulent toujours dépouiller de sa gloire, de ses titres. Il est le seul Seigneur. Il est le seul qui a créé. Il est le seul sauveur. Toutes les Écritures montrent que, à part Elohim, il n'y a point de sauveur. Donc, Yeshua, qui nous a sauvés à la croix, c'est lui, l'Elohim de vérité. Il est aussi la vie éternelle. En dehors de Yeshua HaMashiach, il n'y a que les idoles. Même tous ceux qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont dans l'erreur. Le Père, ce n'est pas un nom propre. Le Fils n'est pas aussi le nom propre, ni le Saint-Esprit. Ben, le seul Elohim, Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Israël. C'est-à-dire le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu de Isaac, son père, qui était le Dieu d'Abraham, qui l'a appelé et qui a fait les promesses, qui les a établies dans la terre promise. Promise à qui ? À Abraham et à sa postérité. La postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est sorti de la tribu de Juda, le quatrième fils de Jacob, qui devint Israël non victorieux qu'Elohim lui-même avait donné à cet homme appelé Jacob. Il est devenu Israël lorsqu'il alla pour se marier. Il allait pour chercher une femme. Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi, je te bénirai. Le Seigneur l'a béni en lui donnant 4 femmes. Donc, avec les 4 femmes qui étaient dans le plan du Seigneur, alors Israël, au nom du Seigneur, a eu 12 fils qui étaient devenus des serviteurs du Seigneur. À travers les 12 fils, nous avons alors tous les prophètes, tous les vrais prophètes de la Bible sont sortis de ces 12 fils. Nous avons tous les juges de la Bible qui sont sortis de ces 12 fils. Et nous avons tous les apôtres qui sont sortis de ces 12 fils. Paul était même de la tribu de Benjamin, le dernier fils à Israël ou Jacob. Et le Seigneur Yeshua HaMashiach, il est sorti aussi selon la chair. Voilà, selon la chair de la tribu de Juda. Il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 15 à 16. Et sans contredire, c'est-à-dire on ne peut pas contredire cela. Le mystère de la piété, le mystère de la divinité, c'est un grand mystère. Elohim, c'est-à-dire Dieu, a été manifesté en chair. Pas dans la chair de Branham. A été manifesté en chair. La chair, là, c'était Yeshua HaMashiach, qui vint de la cellule de sang
glissait dans la matrice d'une vierge. Donc Yeshua, il n'a pas été conçu dans le péché. Il n'a pas été mis au monde dans l'iniquité. Comme nous tous. C'était Elohim lui-même. Et Yeshua était la semence de la femme annoncée déjà depuis Genèse. Lorsqu'il est dit au commencement, Elohim créa. C'est-à-dire, Elohim s'était manifesté dans un corps spirituel appelé la parole. Et la parole a été faite chair. C'est ça Yeshua. Et le Nouveau Testament a commencé. Donc Yeshua s'était déjà manifesté avant de se manifester dans la chair, dans l'Ancien Testament. Même depuis la Genèse, il était avec tous les prophètes. Il était avec Abraham. Abraham l'a vu. Abraham a mangé avec lui. Abraham a lavé ses pieds et aussi les pieds des anges. Vous voyez, en continuant, Jacob l'a vu. Il a lutté avec un homme et son nom a été changé. Lorsqu'il allait pour se marier, les parents de Shimshon, le juge, l'homme fort là, ils ont vu Yeshua avant de se manifester dans un corps de chair pour commencer le Nouveau Testament. Le prophète Moshe, lui aussi, il l'avait vu. Il a vu son dos. Et le Seigneur lui-même lui a dit, « Je passerai, mets-toi dans un creux, tu me verras des dos. Mais ma face ne peut être vue. » Et dans la Nouvelle Alliance, c'est Elohim lui-même qui est devenu un être humain. Il s'est créé un corps dans la matrice d'une vierge. Yeshua, il était né déjà le Christ. Il était né déjà le Seigneur. C'est pour ça qu'à sa naissance, les anges étaient venus chanter. Les mages ont été orientés pour aller adorer cet enfant qui venait de naître. Les mages ont dit, lors de leur arrivée à Yerushalayim, « Où est le roi des Béné Youda qui vient de naître ?» Parce que nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus ici pour l'adorer. Donc il était né le roi. Il était le roi avant. C'est lui Yahweh, le roi d'Israël. Il était le roi d'Israël. Il a marché avec Abraham. Il a marché avec Isaac. Il les a bénis. Il était avec Jacob. Et puis avec les enfants d'Israël. C'est lui qui les a délivrés aussi de la main de Pharaon en Égypte. Parce que c'est lui, Yeshua, le sauveur. Il les a sauvés, ne fût-ce que charnellement, en les délivrant de la main de l'oppresseur, Pharaon. Et il les conduisait vers la terre promise parce que sa venue dans la chair était imminente. Et il était né en tant que... C'est pour ça que lorsque le roi Hérode a appris qu'un roi de Béné Youda venait de naître, il était très fâché. Il était très fâché et il a dit... J'aimerais qu'on tue tous les enfants. Ça, c'est après que ces gens aient échoué parce qu'ils voulaient connaître où était l'enfant afin d'aller le tuer lui-même. Il était déjà jaloux. Dans Jean 18, la question a été posée par le Romain Pilate. Es-tu roi? Parce que Yeshua parlait de son royaume. Es-tu roi? Elle dit oui, je suis roi. Et je suis né. Donc, avant de naître, il était déjà roi. Il était déjà Elohim. Avant de naître, il était déjà le Seigneur. Et il était dit dans les prophéties, Ésaïe 35, « Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux, il viendra lui-même et vous sauvera. Lorsqu'il sera venu, les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront. » Et puis, il y aura des sources d'eau dans un lieu aride. Ça, c'était lorsqu'il annonçait la venue de l'effusion du Saint-Esprit. Pierre a dit que c'est le Seigneur qui, étant monté, a reçu le Saint-Esprit qui était promis et l'a répandu, comme vous le voyez et entendez. Donc, Yeshua est le seul nom qui ait été donné sous les cieux parmi les gens par lesquels nom nous devons être sauvés. Voilà pourquoi tous les vrais croyants qui veulent être sauvés, qui veulent être pardonnés, qui veulent aller au ciel pour le rencontrer, ils doivent quitter tous les mouvements religieux, faussement appelés chrétiens, et se repentir pour être baptisés.
au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, afin de recevoir le pardon des péchés et aussi la vie éternelle. Que Yahweh vous bénisse dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Très bien. Merci, mon Dieu. Bien. Nous sommes arrivés à la fin. Le frère Cass nous a répondu par rapport à toutes ces questions que nous avons posées pendant 35 minutes. Restez scotché et cimenté. Notre numéro reste le même. C'est le plus 243 89 00 6049 au Bengi Bissau. Continuez au Tinaba Testo. Nous sommes en ligne 24h sur 24. Et puis l'homme dédié à Zawana pour nous répondre à la question d'Abino. On se retrouve le samedi. Ciao. Congo Lipanda. Oh. Congo Lipanda. Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa banambuka Kongo. Kongo Lipanda. Azeli libango Kongo Lipanda. Paninga pona kuyeba historia Kongo. Landa Kongo Lipanda.